Ouais. Super. J'ai votre attention. Et j'ai votre énergie. C'est fantastique d'être le dernier intervenant. C'est compliqué, parce que parfois, il y a des gens qui disent des choses tellement merveilleuses que toi, tu te dis, bah, est-ce que j'ai encore des choses sympathiques à raconter? Ça craint. Mais vous avez eu plein de choses intéressantes. Plein. François Lemay vous a expliqué comment détourner 150 000 euros. C'est une première stratégie. OK? C'est... Non, mais c'est du concret. C'est du concret. C'est un business. Non, c'est... Peu importe, c'est une stratégie. Vous avez une imitation exceptionnelle de Depardieu. Rocky. De Rocky. Des choses incroyables. Bon, vous avez quand même une femme qui est montée tout en haut, qui a mis le feu. Moi, j'ai regardé, j'ai dit, il y a Beyoncé qui est au Grand Rex. J'ai dit, mec, vas-y, il y a Beyoncé qui est au Grand Rex, et on a raté Beyoncé, comment ça se passe? Bon. Qui aimerait, mais vraiment, 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 réussir sa vie? Ah, vous avez changé d'avis. Non, 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 non. Après, quand, après la conférence, tu dis, bah non. Finalement, non. Mais si. Alors, réussir sa vie, vous avez compris qu'il y a une distinction entre réussir sa vie et réussir dans la vie. Ok? C'est très important de comprendre que, en fait, l'un des points les plus importants, c'est de réussir sa vie. Et réussir sa vie, ça joue sur une logique d'harmonie. On a besoin de cette harmonie. Et ce qu'on doit faire, en fait, toute une vie, c'est de réfléchir à la logique d'harmonie. Parce que c'est intéressant d'avoir un business qui est hyper fructueux, mais bon, si on perd notre couple, ou on perd de vue l'éducation de nos enfants, ou si on y perd notre santé, ça sert à quoi? Vous avez regardé autour de vous combien de personnes sont en train de perdre leur vie à la gagner? C'est un truc de dingue. Nos entreprises sont de plus en plus tueuses, le taux de burn-out a été multiplié, vous vous rendez compte, par 7 en juste en 20 ans, par 7 en 20 ans. C'est-à-dire qu'on ne sait plus quoi faire pour arrêter ce massacre. C'est un problème. Et sachez que les professions libérales, les indépendants, sont de plus en plus aussi touchés par ce syndrome. Ce n'est pas un hasard. D'accord? C'est-à-dire que quand on approche la logique entrepreneuriale, il faut approcher tout son business à travers quelque chose de global. Vous devez avoir une approche globale, intégrative de votre business. OK? Maintenant, vous devez aussi comprendre une chose, c'est que la pièce maîtresse de votre business, c'est vous. C'est-à-dire que la priorité sur laquelle vous devez porter toute votre attention, c'est vous. Je ne parle pas d'égocentrisme. Je parle de cette capacité que nous avons à faire un vrai travail sur soi. Et de se dire que si mon business repose sur mes aptitudes, sur mes connaissances, sur mon expertise, sur mes expériences, je me dois, vous avez compris? Je me dois de travailler dessus. Alors je sais que dans l'univers du développement personnel, on dit non, faut pas dire je dois, j'aimerais. Non, non, tu dois. Non, tu dois dire. Une personne qui réussit dans la vie, elle fait pas simplement ce qu'elle aime faire. Elle fait ce qu'elle doit faire. Ok? Je vous le dis, les personnes qui sont uniquement centrées sur cette idée qu'ils ont envie de faire simplement ce qu'ils aiment faire, la plupart du temps, ils se plantent parce qu'ils passent à côté des responsabilités essentielles qui permettent justement de créer l'infrastructure te permettant de faire ce que tu aimes faire. Mais tu peux être le meilleur coach du monde si ton business, si tu ne sais pas l'architecturer, si tu ne sais pas le développer, si tu ne sais pas le vendre. Ça sert à quoi? D'accord? Donc, je suis là aussi pour vous rappeler que, en tant que personne indépendante sur laquelle repose la responsabilité du développement de notre entreprise, nous avons des responsabilités. Et je me posais la question, comment faire pour vous transmettre cette logique de responsabilité? Et si je devais partager avec vous ce que je retire des leçons d'accompagnement que j'ai eues auprès des personnes du monde de l'entreprise, qu'est-ce que je pourrais faire? La semaine dernière, j'étais en Suède, puis en Russie. Je vous parlerai de ces deux expériences, elles sont intéressantes. D'un côté, je travaille pour un très très grand groupe de logistique international, ok? Et puis d'un autre côté, on a développé, on a gagné un gros appel d'offres en Russie. En Russie, ils vont enseigner notre matière dans la plupart des grandes universités.
Donc il faut que je vous parle aussi du mindset de ces personnes-là. Est-ce que j'ai envie d'être russe? Pas du tout. Ok? Ni même japonais ou n'importe quoi d'autre. Hein. Ok? Mais la seule chose que je me dis, c'est qu'à chaque fois qu'on vit dans ces univers-là, pourquoi sont-ils plus performants? Vous avez vu ce qui est en train de se passer? Excusez-moi. Hein. Mais quand on regarde la dimension géopolitique, on s'aperçoit d'une chose, c'est que l'Occident est en train de mourir à petit feu. Vous avez compris qu'on est en train, aujourd'hui, on en est à mendier à des pays qu'on considérait comme des pays du tiers-monde il y a serait-ce que 25 ans, le carburant pour pouvoir vivre quotidiennement correctement. On a perdu notre souveraineté énergétique, notre situation sécuritaire, c'est de pire en pire. L'autre jour, j'étais à Levallois, on mangeait dans un restaurant très sympathique. Grand écran, le mec, il avait mis BFM TV. Non, j'adore ce restaurant, c'est ma cantine. Je suis juste allé voir le patron, je lui s'en supplie. Tu veux pas nous mettre MTV ou un truc comme ça? Fais ce que tu veux. Mais j'en ai marre de voir les morts, un assassin, un coup c'est à Reims, un coup c'est dans le sud de la... Et c'est hyper anxiogène, quoi. Donc, excusez-moi, cette idée de la démocratie ou cette idée de l'Occident, on a intérêt de le reprendre en main très rapidement, parce que de toute façon, quand je vous dis ce qui est en train de se passer là-bas, en Russie ou en Chine, on n'est pas équipé pour faire face. Je ne parle pas de guerre, je parle juste de positionnement économique et d'innovation. On est à la ramasse, d'accord? Donc je vous dis par rapport à ça, si vous êtes ici, alors je sais que vous vouliez avoir que des bonnes nouvelles. Non, parce qu'on est des mecs du développement personnel. Des mecs du développement personnel, on suce les arbres, on dit bonjour aux cailloux, et puis quand on voit une fleur, on dit je l'aime, ok? Alors c'est super, c'est cool. Continuez à rouler des pelles aux cailloux, continuez d'embrasser les arbres, c'est un truc génial, ok? Non mais ça apporte un tas de bénéfices, il y a de la sérotonine, ça va apporter de l'acétylcholine. Bref, plein de choses vachement sympas. Mais quand même, ayons les pieds sur terre. On est là pour faire du business, vrai ou pas? Ok? Et vous savez, cette capacité que vous avez de vous dire, je suis là pour faire du business, c'est pas simplement de dire, ok, je suis un businessman, et cette idée des businessmen qui sont des fous, qui sont des rouleaux compresseurs et qui n'aiment pas les autres, c'est terminé ça. Vous avez remarqué que ça marche plus du tout. C'est ici, d'abord, la notion de self-made man n'existe plus, ça c'était dans les années 80 avec Bernard Tapie, où c'était un winner et puis les autres, ils n'avaient qu'à pas loser. Ok? Non, aujourd'hui, ça marche plus comme ça. Tout est une question de réseau. On est tous connectés. Yannick est dans cette salle, il le dirait bien mieux que moi. Sans cette connexion, on ne peut plus rien faire. Ça veut dire qu'on a besoin d'être en contact avec le monde, on a besoin d'être en contact avec les autres, on ne peut plus être seul, tout seul. Okay? Attention, l'illusion des réseaux sociaux qui nous fait croire qu'on est connecté avec le monde entier, alors qu'on est vraiment seul. D'accord? C'est pas ça la connexion. On reviendra plus tard sur la logique de connexion. Donc je m'étais dit, tiens, qu'est-ce que je peux vous transmettre depuis ce que j'ai observé, ok, et vous donner une vision utile de quand vous allez partir ici, savoir ce sur quoi vous devez vous centrer au quotidien pour vous développer et pouvoir faire face. Faire face, et puis d'abord faire face à l'adversité, et puis continuer toujours à garder le plaisir de faire ce que vous faites. La première des choses que je voudrais partager avec vous, c'est la logique de conviction. Toutes les personnes que j'ai accompagnées, toutes les personnes qui ont eu des réussites exceptionnelles, quel que soit le domaine, que ce soit dans le monde du sport, que ce soit dans le monde de la musique, que ce soit dans le monde de la télévision, ou des entreprises, ou des grandes entreprises, comme des petites. Toutes ces personnes avaient des convictions et elles s'y tenaient. C'est intéressant la logique de conviction. Une conviction, c'est quoi? C'est une croyance supérieure. Alors une croyance, c'est quoi? Une croyance, c'est une pensée que je considère comme étant la vérité. Ok? Je pense qu'il fait mieux vivre en Israël qu'à Paris. Ok? C'est une croyance, il y a d'autres personnes qui vont me dire le contraire. D'accord? Mais c'est une pensée que je considère comme étant la vérité. Ok? La conviction, elle va bien au-delà. La conviction, c'est une pensée qui est une pensée profonde, qu'on pourrait considérer dans des schémas psychologiques comme une pensée racine. C'est-à-dire une pensée qui va structurer les autres pensées. Et vous devez vraiment vous interroger sur vos convictions. Quelles sont vos convictions profondes? Ça veut dire quoi une conviction? Une conviction, c'est
ce pourquoi je suis prêt à me battre au quotidien. Ce que je ne remettrai jamais en question. Ok ? Que je ne veux pas remettre en question. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas faire évoluer mes convictions. Mais ça veut dire que cette conviction-là, elle est chevillée au corps. Par exemple, moi j'ai une conviction que quand tu fais ton business avec générosité, tu ne peux que réussir. C'est juste une question de temps. Ok ? Parce que dans la vie, vous verrez que vous avez les preneurs et vous avez les donneurs. D'accord ? Et puis vous avez les faux donneurs. Les faux donneurs, c'est ceux qui pensent qu'ils donnent, mais qui donnent pas. Non, c'est ceux qui pensent qu'ils donnent vraiment, mais qui sont là que pour prendre. C'est ceux qui vont te dire, moi je viens pour donner. Mais ils sont là pour prendre. D'accord ? Le vrai donneur, il ne se préoccupe jamais de ce qu'il va recevoir. Vous savez, je veux partager ça avec vous, parce que à un moment donné, dans ma vie de papa, il a fallu que j'explique à mes enfants, c'est quoi la générosité ? Parce que je trouve que c'est une valeur fondamentale. J'ai érigé toute ma vie autour de cette valeur. La générosité, pour moi, c'est ce qui m'a fait réussir. Donc quand j'ai un modèle qui marche, bah, je me dis que peut-être que ça peut marcher pour mes enfants. En tout cas, il faut que je le transmette. Comment transmettre la générosité à un enfant ? Je leur ai expliqué le schéma suivant. Je leur ai dit, voilà, alors, je crois profondément en Dieu. Voilà une autre conviction. Je parlerai aussi tout à l'heure un petit peu de spiritualité parce que je pense que ça fait défaut. On n'en parle pas assez. Par contre, c'est un truc étonnant. Vous partez juste au Canada, tout le monde vous parlera de spiritualité. Je les ai trouvés très timides, nos Québécois, ici. Parce que logiquement, ils mettent Dieu à toute la sauce. D'accord ? Et ce serait peut-être bien aussi qu'on considère que, à partir du moment où on va considérer que tout ce qui nous arrive est sous notre contrôle et doit l'être, vous savez que vous êtes obligatoirement des candidats au burn-out. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et je pense qu'il est grand temps qu'on intègre tous que c'est OK d'avoir une vision spirituelle et de l'intégrer dans notre business. OK ? Appelez ça comme vous voulez. Merci. Appelez ça comme vous voulez. Qu'on l'appelle Hachem, qu'on l'appelle Allah, qu'on l'appelle Vishnu, qu'on l'appelle Bouddha, qu'on l'appelle Martin la Tulipe. Chacun son modèle, qu'on l'appelle ça la vie, peu importe. C'est important que vous compreniez qu'à un moment donné, on ne peut pas s'en remettre qu'à soi-même. Et qu'à partir du moment où on pense qu'il y a un créateur, parce que quand même il y a un créateur, il y a quand même l'année dernière, il y a un type qui m'a dit « Monsieur, je croirai en Dieu le jour où je le verrai. » Je dis « Ok, viens voir, on va faire un truc. » On était à l'extérieur et je lui dis « Tiens, regarde, juste tu vas faire un tout petit exercice très sympathique. Tu vois le soleil, retire tes lunettes de soleil. » Et regarde le soleil droit dans les yeux. Il me dit, c'est complètement con, je vais me brûler. Je vais au moins essayer. Alors le monsieur, il est là. Ok. Tu es en train de regarder l'une des plus petites créations de l'univers. Et tu ne peux même pas la regarder dans les yeux. Et tu veux regarder Dieu. Il se passe quoi ? Non, mais soyons logiques. Soyons logiques. Je dis, dis-moi. Est-ce que tu peux me trouver un scientifique au monde capable d'expliquer pourquoi cette boule de feu, elle ne se consume pas ? Non, je ne sais pas. C'est-à-dire que tu vis tous les jours grâce au soleil, le soleil disparaît, le temps de vie sur Terre, c'est à peu près 4 à 7 minutes. D'accord ? Cette boule de feu incandescente qui ne cesse de faire son travail tous les jours pour notre plus grand plaisir et notre existence, toi, tu considères ça comme quelque chose de normal, mais on vit un miracle chaque jour, mon frère. Le problème, c'est que tu vois plus la présence de Dieu dans des phénomènes assez communs de tous les jours. Alors, comment tu veux le voir ? Pour voir Dieu, il faut apprécier ses miracles à chaque instant. Et je vous rappelle que Deos, merci. Deos, ça veut dire la loi. Deos, ça veut dire la loi. Martin va encore se foutre de ma gueule. Vous savez quoi ? J'ai une espèce d'angoisse avant de dire des trucs latins maintenant. Avant, j'étais fier. Avant, j'ai dit, écoute-moi bien, je vais dégommer tout ce que je connais en latin et je vais les éclater. Maintenant, je vous dis un mot, pas plus, sinon tu vas te faire massacrer. Mais Deos, ça veut dire la loi. Ça veut dire qu'il y a des lois qui régissent notre univers. Et l'une de ces lois, c'est que plutôt que de faire les choses seules, associe-toi avec la grandeur. Et vous savez,
quand bien même ce ne serait qu'une croyance, cette croyance, elle est suffisante pour réduire au moins de 50% tout le stress que vous avez au quotidien. Quand je sais que je me suis associé avec le Créateur, quand je sais que je me suis associé avec la personne ou l'entité la plus puissante de tout l'univers, franchement, si je l'ai comme associé dans mon business, je pense que mes petits problèmes, il va pouvoir m'aider à les gérer. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et vous savez quoi? Juste cette perspective d'esprit, ça change tout. Vous savez que quand on fait des tests sous IRMF auprès de personnes qui sont ou des croyants ou des personnes qui se disent athées, vous savez que quand on leur donne des problèmes à résoudre, ils n'activent pas les mêmes zones du cerveau. Ceux qui sont croyants et qui, à un moment donné, vont interpeller leurs croyances au sein même de leurs problématiques, vont activer des zones comme des zones qui sont liées à la créativité, des zones qui sont liées au soutien, des zones qui sont liées à la gestion émotionnelle, et un lien spécifique qu'il y a entre le cortex et l'amygdale qui permet de calmer notre anxiété. Ça veut dire qu'écoutez-moi bien, d'avoir la foi, ça nous permet d'être performants. Ne serait-ce que pour ça, ça vaut le coup. On est d'accord ou pas? Ok. Alors une fois encore, peu importe la relation, je ne vous parle pas de religion, d'accord? La religion, c'est un système, la foi, c'est une expérience. Et ce que je vous demande, c'est d'avoir la foi, c'est-à-dire d'avoir cette relation à quelque chose de plus grand que soi. Maintenant, comprenez aussi une chose, c'est que quand j'ai une relation à quelque chose qui est plus grand que moi, je réduis considérablement mon orgueil. Hier, j'avais une discussion passionnante avec mon épouse. Mon épouse est une grande érudite Torah. Elle étudie beaucoup la Torah avec des raves très 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 poussées. Et elle me disait, tu sais, dans la Torah, on te dit que les personnes qui ont des problèmes de cœur, okay, notamment des arrêts cardiaques ou des choses comme ça, ou des arythmies, ce sont des problèmes de l'ego. Et c'est étonnant. Et on pourrait croire que j'ai des problèmes de cœur parce que j'ai des problèmes de cœur. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Non, non, non. Elle se dit, en fait, on a remarqué que la plupart des personnes, elles ont dans leur histoire des choses qu'elles n'ont pas pardonnées. Et elles n'ont pas pardonné par orgueil. Et parce qu'elles n'ont pas pardonné par orgueil, l'ego a pris le dessus. Et à force, ça crée des problématiques dans cette zone du cœur. Ok? L'Institut EarthMath, s'ils étaient présents avec nous, et les chercheurs de chez EarthMath présents avec nous sur cette scène, ils vous diraient exactement la même chose. C'est la raison pour laquelle vous devez travailler vos convictions. Ok? Ce pourquoi vous êtes prêt à vous battre. Ça, c'est hyper important. C'est quoi vos valeurs essentielles? C'est quoi vos valeurs essentielles? Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous dans votre vie? D'accord? Qu'est-ce qui est super important pour vous dans votre vie? L'une de mes convictions, c'est que si je veux avancer, par exemple, dans ma vie, il faut que je me renouvelle à chaque instant. Quand je dis « je me renouvelle », c'est pas simplement le « je », c'est pas simplement le « me », c'est tout ça. D'accord? C'est pas simplement la partie de moi qui s'exprime. C'est pas simplement la partie de moi qui veut quelque chose. C'est toute mon entité. Ça veut dire quand je me renouvelle au niveau individuel, donc personnel. Je me renouvelle au niveau professionnel. Je vous expliquerai un petit peu ce que j'ai mis en place tout à l'heure. Mais c'est juste important de comprendre que cette force de conviction, si vous appréhendez le monde avec les convictions qui sont les vôtres, ok? Combien d'entre vous avez choisi d'être en business parce que vous avez vécu des problèmes dans votre vie et vous vous êtes dit, plus jamais ça? Ok, ok, la moitié d'entre vous, et si on gratte un petit peu, tout le monde. Tout le monde. Parce qu'en fait, on choisit de créer un business autour de nos blessures, autour de nos connaissances, nos compétences, de nos frustrations, vrai ou pas? Ok, donc on a envie de changer le monde à travers ça. Donc si vous avez envie de le faire, faites-le, mais par contre, faites le grand train. Faites le grand train. Moi, un jour, je me rappelle, j'étais allé voir mon grand-père et j'allais rompre avec ma petite amie de l'époque. Et donc, je vais le voir, je prends un petit apéro avec lui, il dit toujours le bon conseil. Et il me dit, ça va? J'écoute, ça va moyen. J'ai rendez-vous au restaurant ce soir avec ma petite amie et je vais rompre sur place. Bah, ça craint son truc, d'accord? À l'époque, on n'avait pas les SMS. Je
Je m'en fous, ce matin, j'ai dit de vivre la version la plus grandiose de qui vous êtes, mais vous pouvez aussi vivre la version la plus petite merde de temps en temps. Hein. On vous a pas dit d'être au top tout le temps, tout le temps. Et donc, il me dit, comment tu vas t'y prendre ? Bah, écoute, c'est délicat, c'est très gentil, je sais pas, mais je vois que ça matche pas. Il me dit, David, grand train ou petit train ? Je lui dis, tu veux train ou petit train ? Il me dit, tu sais, nous, tu peux toujours choisir la première classe ou tu peux toujours choisir la deuxième ou la troisième classe. Cette fille, peu importe que vous et vos chemins se séparent, tu dois honorer le chemin que vous avez fait ensemble. Et tu dois lui montrer que ce chemin-là, il était top. Et que même si on ne prend pas le même chemin, tu dois faire ça avec beaucoup d'élégance. Et tu dois la préserver dans son identité. Donc fais ce que tu veux, mais fais sa classe. Voilà. Toi, traite-toi en première classe, mais encore plus les autres, traite-les en première classe. Et si tu le fais, tu verras qu'un monde complètement merveilleux va s'offrir à toi. Bon, la vérité, de vous à moi, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Alors moi, j'ai été grand train première classe, elle m'a fait le métro. C'était un petit peu compliqué, mais bon, ça fait partie aussi de la vie, ça s'appelle l'adversité. Parfois, on s'est dit, on a des attentes, on dit, bon, mais écoute, tu quoi ? Grand train. Écoute-moi bien, la locomotive, le TGV, la totale. Elle m'a fait le métro, mais à Brooklyn. Le truc chelou. Mais toujours est-il que ça aussi, c'est une question de positionnement tout le temps. D'accord ? Soyez toujours en contact avec vos plus grandes convictions. Ça, c'est la première chose. La deuxième, chose dont j'aimerais vous parler, c'est la logique d'optimisation. Ça, c'est très, 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 très important. L'optimisation, c'est quoi ? C'est la capacité que nous avons à maximiser notre potentiel dans tous nos domaines de vie. Vous devez optimiser votre potentiel dans tous vos domaines de vie. Et ça va faire une vraie différence. Ok ? L'optimisation d'abord de soi. Écoutez-moi bien. Il y a des triades sur lesquelles il faut travailler. L'une des triades qui est pour moi le plus important, sur laquelle on va devoir porter un regard en permanence sur comment je peux optimiser physique, mental, émotionnel. Physique, mental, émotionnel. Alors quand je vous dis ça, tout le monde en a entendu parler, vrai ou pas ? C'est comme les 5 légumes par jour, ou les fruits. Tu regardes ça, tu dis oui, ben oui, voilà, faut manger 5 fruits et légumes par jour. Avoir une activité régulière. Ah, tout le monde le sait. Maintenant, qui le fait ? Ça, c'est une bonne question. D'accord ? Et je vous rappelle que ce qui est important, c'est pas ce que je sais, c'est ce que je fais de ce que je sais. Ma force de transformation, elle n'est pas dans mon savoir. Vous savez, pendant des années, on nous a vendu une idée, et c'était vrai à l'époque, que celui qui avait le savoir, il avait le pouvoir. Mais comprenez que c'était vrai à une époque où le savoir, il n'était pas aussi accessible pour tout le monde. Maintenant, écoutez-moi bien, toute l'information du monde entier est accessible. Il n'y a pas une chose que vous désiriez comprendre, savoir, connaître, qui n'est pas sur Internet. La dernière fois, écoutez-moi bien, j'ai réussi à réparer mon lave-linge. Non, mais merci YouTube. Bon, c'était le week-end, on était un petit peu embêtés. J'ai dit, écoute-moi bien, je suis sûr qu'il y a un mec, il a fait un tuto sur cette connerie-là. Mais il n'était pas tout seul. S'il y avait une armée de mecs sur cette connerie-là, d'accord ? Bon, merci mon Dieu. J'ai regardé, en 3 minutes, j'ai réussi à faire quelque chose que je me sentirais incapable de faire dans l'ordinaire. C'est-à-dire, comprenez que l'information, elle est accessible. Et elle est de plus en plus gratuite. Donc le pouvoir n'est plus le savoir. Le pouvoir, c'est la capacité qu'on a de le transformer et de le rendre accessible, ce savoir. Ça devient quelque chose de différent. Vous savez que vous pouvez vous inscrire gratuitement à des MOOC à Harvard en neurosciences, à Stanford en neurosciences, au MIT en neurosciences, gratuitement. Vous pouvez suivre des formations avec Harvard aujourd'hui, avec un petit peu de connaissances d'anglais et beaucoup de patience, vous pouvez avoir des formations en neurosciences, en psychologie positive à Harvard. Pour quelques milliers de dollars. C'est-à-dire que ce qui semblait complètement inaccessible il y a quelques années,
nous ouvre les bras tous les jours. Et vous savez quoi? C'est de plus en plus gratuit. D'accord? Donc, je veux que vous compreniez que ce savoir, il existe, il est présent. La question, c'est qu'est-ce que vous allez en faire? C'est ça, optimiser les choses. D'accord? Maintenant, ce savoir, vous devez l'optimiser pour votre dimension physique. Je vous le dis, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez être le meilleur coach du monde, le meilleur formateur du monde, la meilleure énergéticienne du monde. Si physiquement vous n'êtes pas au top, vous ne pourrez pas avancer. Vous savez, l'année dernière, je pars en Suède. Très compliqué de partir en Suède parce qu'il faut que je passe par la Turquie, il faut que je remonte en Suisse. Enfin, c'est vraiment un merdier sans nom depuis qu'il y a la guerre en Ukraine. D'accord ? Parce qu'avant, je passais directement, je faisais Moscou et puis j'allais tout droit. Pour moi, c'était rapide. Là, il faut que je fasse le tour. Déjà, je me chope une hernie discale. J'ai passé mon été assis dans mon canapé, à souffrir et à essayer de me caler un tout petit peu. Bon, il y a un commun. Grâce à Dieu, j'ai un ami en Israël qui m'écoute. C'est quoi, David ? Et j'ai une méthodologie germano-israélienne. On va déposer des cellules souches sur ton hernie. Et en fait, les cellules souches, elles vont te réparer tout seules. Moi, tu me dis ça, je suis un geek. Le problème, c'est qu'il avait oublié de préciser qu'il allait planter une aiguille dans ma gorge, ok, qui traversait toute ma gorge, comme ça, jusqu'au bout. Il allait toucher l'hernie avec l'aiguille, c'est-à-dire le nerf, que tu sentais des décharges électriques de partout, et qu'il allait lâcher le truc et que ça durait 22 minutes de douleur totale. Il y en a trois. C'est ça. C'est-à-dire que la première, à la limite, t'étais pas au courant. Et le gars qui dit, là, il faut à peu près, on attend à peu près un mois, on refait quoi? On refait le traitement, c'est trois fois. Stéphane, pourquoi t'avais pas dit que c'était aussi douloureux? C'est mon vendeur. Je te confirme, Stéphane. Bon, grâce à ça, en trois mois, mon histoire, elle était quand même réglée. Donc oui, j'ai passé à peu près une heure de souffrance, mais c'était ça où j'avais une opération et je ne pouvais pas faire de sport pendant un an. Donc à choisir, je préfère souffrir. Et puis en février pour moi, c'est le top parce que ça veut dire les vacances de sport d'hiver. C'est mon kiff international. Vous savez que depuis le corona, je n'ai pas skié. Alors là, j'étais au top. Toute la nouvelle combinaison au top, enfin le truc, les lunettes au top, le nouveau casque au top, même... Tout est au top. C'est-à-dire des chaussettes au slip, au top. On se fait une première descente, deuxième descente. C'est un petit peu avant midi, on a un grand beau temps, une bonne neige. J'ai mon fils, viens, on en fait une dernière. Il me dit, papa, viens, on rentre. Une dernière, on monte et on descend. On passe sur la gauche. Et moi, je pensais que la piste, elle était damée, je pensais que c'était une piste normale. C'était pas une piste normale. Parce qu'à un moment, il y a un trou, mais ça, et un plat derrière. D'accord ? Avec le choc, parce que je skiais relativement vite, avec le choc, le casque en fait que j'avais attaché, je ne l'avais pas assez bien attaché, il a volé. Donc ce qui est intéressant, c'est que j'avais ma GoPro quand même, donc j'en vois la chute. Et après, j'ai quand même des copains qui se sont amusés à prendre des photos de moi en l'air dans les différentes positions. C'est-à-dire que tu peux mourir, tes copains, et ben, ils s'en foutent. Juste eux, ils ont des dossiers. C'est ça que tu mesures la qualité de tes amis, en fait. Okay. Avec le choc, il a tellement été violent que mon Apple Watch, elle a appelé les secours. J'étais quand même ici, là, parce que j'avais les oreillettes dans les oreilles. Et d'un coup, j'entends sonner. Oui. Le mec qui est mourant, qui répond au téléphone, quand même. Je sais, mais bon, c'est comme ça. Ici le département d'urgence de Chambéry, votre Apple Watch nous a contacté, vous avez eu un choc très violent. Ah bah écoutez, merci de me confirmer, c'est gentil. On vient vous chercher, mais écoutez, je ne sais pas encore, je fais un scanner là. Je fais un scanner, j'essaie de respirer, je vous appelle. Bon, sinon vous appuyez une touche rouge sur votre montre, vous la voyez? Je vois la touche rouge, appuyez dessus, on arrive, on sait où vous êtes. Ça va, je vous rappelle.
deux côtes ennemies, deux côtes, la hanche déplacée, l'ischio jambier éclaté, explosé. Quand même, j'avais de la peine parce que c'est quand même un moment avec mon fils. Donc je me dis, au bout de 3 jours, je dis, écoute mon fils, t'inquiète pas, 3 jours, je suis là. Hop, hop, hop. Voltaren. On va y aller. Et là, tu descends et tu t'aperçois qu'il y a des micro-bosses partout, en fait. Donc ces micro-bosses, habituellement, elles te font rien, mais quand ça fait comme ça, là, ok, et que ça touche tes côtes, tu skis et t'as des gouttes qui coulent comme ça. Et tu commences à pleurer. Tu te dis, c'est bizarre, je suis en train de souffrir, mourir. J'ai fait une descente, j'écoute mon fils. Je suis en train de mourir. Le processus de mort, je suis en train de le vivre. Donc, si ça continue comme ça, dans 5 minutes, je vais voir défiler ma vie, c'est pas la peine. C'est pas la peine, j'arrête. Ok. Bon, ça, c'était la bonne partie de l'histoire. La mauvaise, c'est qu'à un moment donné, quelques 10, 15, 20 jours plus tard, je commence à avoir mal aux genoux. Je commence à avoir mal aux chevilles. Donc, je vais quand même consulter, parce que je me dis, les douleurs, elles sont importantes. Et je me dis, bah, ça se trouve, ils n'ont pas vu que je m'étais pété un ligament ou un truc comme ça. Et là, il y a quand même le professeur d'Irilov, qui est l'un des plus gros hôpitaux d'Israël, qui me dit, vous étiez au courant pour votre inflammation totale? Je lui dis, je suis pas au courant. J'étais au courant pour ça, pour ça, pour ça. Mais alors, total, moi je pensais que ça allait encore. J'avais encore des doigts, de la tête, ça allait quoi. Il me dit, non, c'est total. Il dit, vous êtes où? Vous avez un parent qui a fait un truc, genre polyarthrite, rhumatoïde, des trucs comme ça un peu violents? Je dis, bah mon père. Comment vous dire? Bah votre père, il vous a transmis un patrimoine sympa. Non mais attendez, non vous avez une forme de truc, ben il faut, donc ok, j'ai quoi? Alors le gars il commence à me dire, bon vous avez une forme d'attaque, je veux savoir ce que j'ai. Il me dit, limite vous savez quoi, on s'en fout, c'est le même traitement pour tout le monde. Non vous avez pas compris, parce que si j'ai bien compris, et si j'ai ce que mon père a eu dans sa famille, le traitement il a tué mon père en fait. Donc je vous explique, votre traitement j'en veux pas. Je vais faire les choses par moi-même. Non, monsieur, alors écoutez, je vous explique là. Vous partez sur un chemin un peu spécial. Je pars sur ce chemin à donf. Mais je préfère ce chemin spécial que le vôtre. Voilà. Monsieur, vous allez souffrir. Non. Voilà. Bon, d'accord. Il me dit, mais... J'ai quoi? Il me dit, bah, il faudrait faire des recherches génétiques. Faisons-les. Non, mais écoutez, faisons-les. Si je sais ce que c'est, je pourrais me battre contre ça. Venez, on fait des recherches. Donc on a fait des recherches. Donc j'ai trouvé. Et après, je me suis dit, ok, c'est qui les spécialistes dans le monde dans ce domaine? Qui a déjà développé des choses? Qui a déjà trouvé des formules? J'ai aussi la chance d'avoir un tas de personnes dans mon entourage qui sont des experts du monde de la santé. Donc j'ai pris contact. Et du coup, en fait, j'ai changé plein de choses. J'ai changé mon alimentation. J'ai changé mon activité physique. J'ai changé toutes mes routines. Je me suis passionné pour les bains glacés. Mais oui. Bon, et c'est quand même gênant parce que quand toi, tu arrives, t'es chaud patate, t'arrives à rester 3 minutes et demie dans une eau à 4-5 degrés, quoi, tu vois. Moi, je m'arrête quand mes doigts, je les sens plus. Et à la dernière fois, je suis allé en Suède. Super, l'hôtel dans lequel j'étais, un petit spa, un bain glacé. Il y a des Russes qui débarquent. Brichminic. C'est-à-dire que toi, tu restes 3 minutes et eux, ils tapent la conversation ensemble. Et toi, tu es dans un acte de développement personnel à donf. Lui, on a sentiment qu'il est en train de prendre son bain. À un moment donné, je dis, mais ce con, il va sortir la savonnette dans 5 minutes. Et puis il parlait avec l'autre. Je vous dis, moi, parfois, je suis touché par un syndrome, c'est le syndrome de la caméra cachée. J'ai toujours le sentiment qu'il y a des mecs qui font une caméra cachée à côté de moi. Je vis des situations, je me dis, c'est pas possible. Il y a un mec qui a planqué une caméra. Vous devez tout optimiser. Voilà. Revenons sur le sujet. On optimise tout, sa dimension physique. Maintenant, laissez-moi vous dire une chose. C'est que ce problème de santé... Je vous le dis, c'est une bénédiction. Vous devez prendre toutes les épreuves que vous recevez comme des bénédictions.
Dans la Torah, on dit que Dieu ne nous donne jamais une épreuve à laquelle on ne peut pas faire face. Encore faut-il les prendre comme des bénédictions. Parce que vous savez quoi, depuis que j'ai changé toute mon alimentation. Alors, il y a un tas de choses que je savais, mais est-ce que je le faisais? La réponse est non. Et puis à un moment, eh ben, il faut vraiment que tu le fasses. Parce que quand tu t'aperçois que tu ne peux même plus sortir tes chiennes pour les promener parce que tu es dans la douleur, il faut faire quelque chose quand même. D'accord? Et moi, je disais au médecin, je parlais au médecin, il me dit, mais pourquoi vous prenez, pourquoi autant d'acharnement? Je ne peux pas me permettre de mettre un genou par terre. Je ne peux pas. Il y a trop de personnes qui dépendent de moi. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je ne peux pas. Donc, à partir de ce moment-là, je vous le dis, je trouverai des solutions et je me donne pour 2 ans. D'abord, un, pour gérer le truc, 2 ans, je vais trouver tous les moyens pour l'éliminer. Et vous savez quoi? Après, j'enseignerai aux autres comment le faire. Vraiment. Parce que j'ai déjà appris des choses incroyables. Vous devez optimiser votre dimension physique. Vous devez optimiser votre dimension mentale. C'est-à-dire, est-ce que vous apprenez à penser? Est-ce que vous apprenez à réfléchir? Est-ce que vous apprenez à mémoriser? Est-ce que vous apprenez à ouvrir votre mindset? Vous savez quoi? Il y a une chose que j'appelle moi le syndrome de la boîte crânienne. C'est-à-dire que, à bien y regarder, on pense toujours les choses de la même façon. Vous avez remarqué ou pas? On aborde toujours nos problèmes de la même façon. D'ailleurs, on fait un tas de choses de la même façon. Bon, vous savez que vous vous lavez de la même façon le matin, quoi. Ok? Vous savez que vous vous habillez de la même façon. Non, parce qu'il y en a qui ont une stratégie qui est très particulière. Il y en a qui vont mettre les chaussettes, le slip, le t-shirt et le pantalon. Il y en a d'autres qui vont faire un rythme différent. T-shirt, le slip, chaussettes. Il y en a d'autres qui vont se dire, je protège d'abord l'essentiel. Slip, chaussettes, t-shirt, pantalon. T'as même des mecs, bon, ils ont des super pouvoirs, mais t'as même un mec un jour, il a mis le slip sur le collant. Ça lui a permis de voler. Alors un jour, moi j'ai mis un costume, j'ai dit, écoute, j'y vais. Je suis sorti comme ça, j'ai mis mon slip par-dessus. Je me suis fait arrêter. Et quand je leur ai dit, écoutez, je voulais voir si j'avais des super pouvoirs parce que c'était la tenue, ils m'ont dit, on a appelé les hôpitaux psychiatriques. On fait tout le temps la même chose et de la même façon. Même l'acte sacré, vous le faites de la même chose. Vous commencez par les mêmes endroits. Vous finissez par les mêmes endroits. Si un jour vous décidez d'optimiser ça et que vous décidez de tout changer parce que vous avez suivi une conférence sur l'optimisation, ok, je vous donne un conseil, vous ne changez pas tout d'un seul coup. Parce que la personne va te dire en face, où est-ce qu'il a appris l'optimisation? Il est en train de m'optimiser d'une façon très bizarre. Ça ne devrait pas se passer comme ça. Donc n'optimisez pas un maximum tout de suite. Quand on optimise, doucement l'optimisation, ok? On innove un petit truc, un orteil par-ci, une oreille par-là, mais doucement. Vous devez optimiser aussi votre schéma émotionnel. Vous devriez tous apprendre tous les schémas de fonctionnement émotionnel. Dans votre business, vous devez optimiser. Optimiser. C'est-à-dire que vous devez, par exemple, ça fait plus de 23 ans que je forme des coachs professionnels. On a formé plus de 4700 coachs sur un bassin qui est francophone. C'est pas mal. C'est pas mal. Là, ouais, vous pouvez, c'est pas mal. Tous les 5 ans, à peu près, 6 ans, j'ai toujours changé beaucoup de choses. Vous savez quoi? Là, j'ai décidé de tout changer. Ça fait 1 an que je pense, jour après jour, à changer toute ma formation. Ça fait 5 ans que je regarde tout ce que font mes confrères partout dans le monde. Partout dans le monde. La Nouvelle-Zélande, la Corée, le Japon, l'Angleterre, l'Allemagne. Et en plus, je peux le savoir parce que comme on a gagné un appel d'offres en Russie, on a gagné un appel d'offres devant les plus grandes sociétés de formation de coach du monde. Sachez qu'en Russie, les 3 plus grandes universités qui vont former les psychologues, parce qu'ils vont rembourser bientôt le coaching en Russie, okay, comme la médecine ou comme les psychologues okay, publics, tous auront l'obligation de venir se former à l'université avec notre contenu qu'on est en train de faire traduire. Ouais, c'est pas mal. Franchement, c'est la classe.
Et c'est intéressant parce que, croyez-moi, ce pays a beaucoup à nous apprendre en termes d'accompagnement psychologique et en neurosciences. Je vous le dis, ils sont d'un pointu comme j'ai rarement vu, vraiment. Ça fait maintenant donc plus de 5 ans que j'observe ces gens-là et je m'étais dit, je veux sortir la formation la plus avancée du monde, la plus puissante, la plus innovante, la pédagogiquement plus suivie, ok ? Et je peux vous garantir qu'en octobre, je vais lancer ma nouvelle formation de coach. Personne, je vous dis bien, personne ne pourra s'aligner devant. Voilà. Pourquoi ? Parce que j'ai qu'un seul défi, c'est l'excellence. Et je vais vous dire une chose. Pour moi, former un coach, c'est la responsabilité la plus importante que j'ai prise de toute ma vie. Voilà. N'en déplaise à certaines personnes. Je peux vous vendre un téléphone portable. Je peux vous vendre un ordinateur portable. Si je vous vends pas le bon, vous allez m'en vouloir, vous allez me dire, David, moyen, tes conseils étaient un peu nuls. Mais si je vous mets entre les pattes un coach qui n'est pas de bonne qualité et que c'est moi qui l'ai formé, je peux en mourir. Et j'ai pas envie de mourir. Voilà. Donc c'est important. Et ce monde-là demande des défis. Okay ? Le monde, il évolue. Ce qui ramène au troisième point que je veux voir avec vous, c'est l'adaptation. Adaptez-vous. Adaptez-vous tout le temps. Ceux qui réussissent sont ceux qui s'adaptent. L'adaptation, c'est quoi ? C'est la capacité qu'on a d'observer, de comprendre notre environnement et de réorienter des choix essentiels ou mineurs pour pouvoir correspondre au changement qui nous est posé. Donc, vous comprenez qu'il n'y a pas de changement sans ce sentiment d'adaptabilité. Vous devez vous adapter. Vous devez vous adapter. Il y a tout un monde qui est en train de changer, là. Je vous parlais de la Russie. Saint-Pétersbourg, ça fait 3 semaines à Saint-Pétersbourg que chaque semaine, il y a 16 000 personnes. Vous savez ce que ça veut dire, 16 000 personnes ? Vous prenez un événement comme celui-ci, vous multipliez par 16. Il y a 16 000 personnes qui, tous les jours, dans tous les corps de métier, sont en train de suivre des formations sur l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que nous, on est en train d'en parler, on est en train de dire, vous commencez à vous con, on est tous en train de flipper, en fait. Mais qu'est-ce qui va se passer ? Ça va nous prendre. C'est-à-dire qu'on est en train de converser sur ce qui est en train, ce qui pourrait potentiellement arriver, ce qui génère que de l'angoisse au passage. Vous avez remarqué ça ? Ok ? Eux, ils se posent aucune question. Hein. Bridge Minute, adaptabilité. Nous allons former tout le monde. Les plus grands Américains de l'intelligence artificielle, ils ont fait venir des mecs de chez OpenAI pour leur expliquer ChatGPT. Des mecs de la société. Et vous avez des gars du monde du graphisme, vous avez des journalistes, vous avez des hommes politiques, vous avez des industriels, tous sont là, prennent un maximum de notes et ensuite réorganisent à l'intérieur. Pour la plupart d'entre eux, ils ont déjà intégré toute l'intelligence artificielle. Je vous le dis, dans 2-3 semaines, maximum 2 semaines je pense, je sors une formation avec des petits diables avec lesquels je bosse. Parce que moi, quand j'ai vu l'intelligence artificielle, j'ai mis en quoi ça va bouleverser mon industrie. Bon, c'est vrai que les métiers de contact, on pourrait se dire, est-ce qu'on va être bouleversé par ça ? Je ne sais pas. Mais par contre, ça peut nous aider dans tout ce qu'on va pouvoir apporter en termes de service à nos clients. Eh bien, on a monté une formation sur les 5 plus grosses intelligences artificielles. Ça sera accessible pour un prix, je crois, de 149 €, quelque chose comme ça. Et on va vous expliquer exactement comment utiliser ces 5 intelligences artificielles dans votre business. Il faut, écoutez-moi bien, adaptez-vous. Et allez chercher l'information. Ne soyez pas de ceux qui vont voir le train passer et qui vont se dire « on aurait dû le prendre ». Il y a un train qui est en train de passer, les portes sont grandes ouvertes. Attention, c'est un train à grande vitesse. Il va s'arrêter 1 minute dans chaque gare. Ne ratez pas ce train. Ne ratez pas ce qui est en train d'arriver. Parce qu'il y a ceux qui vont se dire « on aurait dû le faire » et ceux qui seront dans le train. Tout le monde. Quel que soit votre métier, quel que soit votre business, vous pouvez tirer avantage à apporter des services avec ChatGPT ou des choses comme ça. Je vous donne un exemple. J'ai mis un ingénieur qui est en train de travailler sur un avatar. Okay. J'ai écrit à peu près 12 bouquins. J'en ai commercialisé 2 comme bouquins. Les autres, je les ai transformés en formation. D'accord ? J'aime écrire parce que ça me permet de symboliser mes idées. Maintenant, j'ai à peu près presque 480 vidéos sur Internet. Elles sont toutes scriptées.
Depuis 23 ans, toutes les semaines, je réponds à des questions de mes clients. J'ai répondu à plus de 7000 questions. Vous savez ce que ça veut dire, ça, 23 ans, 7000 questions? C'est énorme. D'accord? Alors, il y a des questions, souvent, c'est assez succinct. T'as un problème, c'est ça, ça. On a mis tout ça, on a mis tous mes bouquins, on a mis tous mes books, on a mis toutes mes vidéos, on a compilé tout ça, et demain, chacun de mes clients aura une application avec mon avatar et pourra me poser n'importe quelle question, et c'est moi qui répondrai. J'ai commencé à valider toutes les questions-réponses. C'est un truc de psychopathe. Parce que cette intelligence artificielle, elle a quelque chose que moi, j'ai pas, c'est du temps. Okay ? C'est-à-dire qu'elle prend le temps de développer les réponses en lien avec tout ce qui a déjà été répondu. Elle est capable de dire, ok, tu joues, regarde. En mai dernier, je t'ai répondu ça. Je t'avais demandé telle piste, est-ce que tu l'as fait ? Oui, non. Si tu l'as fait, voilà ce qu'il faut que tu développes. C'est juste incroyable. Mais vous savez quoi ? C'est que ma matière à moi. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Est-ce que vous pensez que c'est un service qui peut être utile ? Je pense que oui. En tout cas, ça peut apporter de la valeur ajoutée si quelqu'un se trouve enfermé, plutôt que d'attendre maintenant. Dans la nouvelle formule, moi j'ai un mastermind toutes les semaines. Toutes les semaines, je passe du temps avec mes clients, je leur fais des démonstrations de coaching et je leur montre comment les choses fonctionnent. D'accord ? Mais si tu as une question et que je ne peux pas te répondre parce que je suis en Israël et que toi tu es au Canada et qu'avec le décalage horaire c'est un petit peu compliqué, tu seras bien content d'avoir une réponse qui est déjà circonstanciée et qui appartient à ma vision du monde. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Le monde, il est en train de changer. Adaptez-vous. Adaptez-vous. C'est-à-dire, posez-vous la question, qu'est-ce que je dois faire pour faire partie de ce monde de demain ? Pas celui de maintenant, et encore moins celui d'hier. Vous devez avoir un coup d'avance. Quand il y a de ça 15 ans, j'ai dit, je vais changer le nom de mon institut, je vais l'appeler l'Institut des neurosciences appliquées. Tout le monde me disait, David, neurosciences, c'est trop compliqué, tu veux perdre tout le monde. Non, mais je vais m'assurer que ça soit accessible. C'est mon métier, c'est mon job de rendre les choses accessibles. C'est ça la pédagogie. Okay ? La pédagogie, c'est de rendre quelque chose de complexe, intelligible. Un jour, il y a un type qui m'a chauffé sur Internet, qui a mis un sale poste en plus derrière, qui m'a dit « Non, mais vous comptez compte sur YouTube, ce que vous donnez, c'est de l'édulcoré. » J'ai dit « Écoute, d'abord, sur YouTube, c'est de l'accessible à tout le monde. » J'ai dit « Mais maintenant, viens mettre un pied dans mon institut et regarde ce que je donne. Et puis déplace-toi, tu vois tous mes diplômes, il n'y a aucun problème. Déplace-toi, bouge ton cul. » Parce que moi, se planquer derrière un ordinateur, c'est facile. Comporte-toi comme un homme, je peux te donner tout ce que tu veux, mais viens me les demander en face. Bon, il a préféré se planquer différemment, peu importe. Mais comprenez une chose, c'est que la nature même, aujourd'hui, de ce que nous faisons, ça doit être de nous adapter et de rendre les choses accessibles. Si tu ne rends pas les choses accessibles, vous savez, un de mes mentors disait, un effort client en plus, c'est un kilo euro en moins. Chaque fois que votre client il doit réfléchir pour comprendre votre offre, vous perdez de l'argent. Les choses doivent être incroyablement simples. Il faut tout repenser tout le temps. Et ça veut dire, ça va faire plaisir à Adrien, ça veut dire parfois repartir à zéro. C'est OK de repartir à zéro. Moi, je trouve ça exaltant de repartir à zéro. C'est pas du tout une honte. C'est au contraire ce qu'on devrait tous faire, c'est régulièrement partir à zéro dans plein de domaines de vie. Moi, tous les 5 ans, je change d'art martial de façon systématique. Pourquoi ? Parce que j'ai besoin d'être un apprenant. Et parce que dans nos métiers, vous savez, quand on s'affiche sur des scènes comme ça, à un moment donné, on pourrait prendre un peu le melon quand même. Bah, détends-toi, quoi. Détends-toi. C'est important parce que dans plein de domaines de ta vie, tu es un débutant. Et moi, j'aime bien être un débutant. Parce que quand tu es un débutant, tu es un passionné. Tu as de l'énergie. Vous avez remarqué, quand vous avez démarré quelque chose, un sport, une relation, quand tu débutes dans quelque chose, tu es passionné. Quand tu es passionné, tu es facilement passionnant. Maintenant, quand tu es passionnant, passionné, positif, c'est la triplette gagnante pour pouvoir réussir tout ce que tu vas entreprendre. Donc, adaptez-vous. Rentrez toujours dans cette logique d'adaptabilité. Et posez-vous cette question, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour préparer un avenir qui sera encore plus puissant ? Ne vous endormez jamais sur vos lauriers. Il n'y a rien de pire que la complaisance. Il n'y a rien de pire que le confort. C'est pour ça que c'est... Je vais vous dire une chose. Si vous n'amorcez pas l'avenir avec ce mindset, le présent va vous rattraper. Ça veut dire que si vous n'anticipez pas cette capacité de vous adapter
est de toujours proposer quelque chose de nouveau, de fun, qui est en lien avec l'air du temps, vous aurez un coup de retard. Et ce coup de retard, vous allez le payer très cher. Parce que parfois, il y a des coups de retard auxquels on ne peut pas faire face. Voilà. Adaptez-vous. Adaptez-vous. OK ? Autre chose. On a vu la conviction. On a vu l'optimisation. On a vu l'adaptabilité. Laissez-moi vous parler de cohérence. Les personnes qui réussissent sont des gens cohérents. D'accord ? La cohérence, c'est quelque chose de tout simple. C'est la capacité que nous avons d'être alignés avec nous-mêmes. Et l'alignement de soi, c'est quelque chose d'encore plus simple que ça. Ce que je suis, ce que je fais, ce que je pense, ce que je dis, ce que j'agis, ce à quoi je contribue, tout ça est aligné avec mon système de valeurs. Vous savez, vous prenez toutes les personnes qui étaient sur le stage de ce matin-là, elles ont toutes un point commun. Je les connais toutes. Toutes des personnes hyper sympathiques. Vous prenez quelqu'un comme Martin. Martin, il est sur la scène comme il est dans la vie. Vous voyez ce que je veux dire ? Yannick, il est sur la scène et dans la vie, il est pire. Mais c'est tellement bon. C'est-à-dire que ces humains-là, là, tu peux dire tout ce que tu veux, tu ne peux pas faire autre chose que de les aimer, vrai ou pas ? Ils sont faciles à aimer, vous savez pourquoi ? Parce qu'ils sont authentiques. Ils sont authentiques parce qu'ils sont alignés. Et c'est important de rechercher tout le temps cet alignement. En termes de valeur, ce qui sous-tend une chose, c'est que vous connaissez votre système de valeur. Une valeur, ça répond à qu'est-ce qui est important pour moi dans ma vie ? Qu'est-ce qui est important pour moi dans ma vie ? Je me rappelle, il y a de ça quelques années maintenant, j'étais à Casablanca, j'avais donné une conférence pour le centre des jeunes dirigeants là-bas. Et il y a un monsieur de chez Pfizer qui est venu me voir et qui m'a dit « J'aimerais vous faire visiter mon entreprise demain. Je voudrais vous parler de ce qu'on a fait, nous, en termes de système de valeur chez Pfizer. » Bon, vous mettez le côté Pfizer en ce moment, d'accord ? Okay. Juste, on se concentre sur une industrie qui est quand même une industrie de pointe, quoi qu'on en pense. Et le gars, en fait, on va donc il me reçoit au cœur de Casablanca. Et il me dit, vous avez, regardez, je vous montre le livret. Et il me dit, voyez, nous, on a été bien plus loin que le système de valeurs, puisqu'on a identifié quels sont les comportements qui sont en lien avec les valeurs. C'est-à-dire qu'on a un livret de valeurs et on a un livret des comportements. C'est-à-dire que tu sais ce qui est important pour nous dans cette entreprise et tu sais ce que tu dois faire, la façon dont tu dois agir. Et par exemple, il me dit, notre système de valeurs, elle a sauvé la société et elle a peut-être même sauvé Casablanca. Je dis pourquoi ? Il me dit, on a une valeur qui s'appelle la sécurité. L'un des comportements, c'est que chaque personne qui rentre dans l'entreprise, elle apprend à éteindre un feu d'incendie. On joue avec des produits chimiques, donc ce sont des produits inflammables. Il faut que n'importe quelle personne, s'il y a un feu déclaré, elle puisse l'éteindre, plutôt que d'appeler les secours, parce que pas avec des produits chimiques, ça peut s'enflammer très très vite, et on peut avoir un drame international. Donc, une personne qui rentre, même pour 2 heures chez nous, elle a un mini-stage en milieu de la cour pour éteindre un feu. C'est un principe de base. Et vous savez, un jour, on a recruté une personne, ça faisait 3 jours qu'elle était là chez nous, et le feu a pris dans les archives. Grâce à Dieu, elle a éteint le feu en moins de 2 minutes. Si elle n'avait pas éteint le feu, les archives, vous savez ce que ça représente, ça va très très vite. Sauf qu'en dessous des archives, on a le laboratoire de recherche des virus mortels. Et on a découvert qu'on avait fait une erreur de sécurité. Ok ? Maintenant, si ça avait explosé au niveau des archives, on avait des virus comme Ebola, on avait des choses comme ça, on avait de la grippe espagnole juste en dessous. Ça aurait été un drame sanitaire, le virus se serait répandu dans tout Casablanca. Donc, nos valeurs nous ont sauvé la vie. Vos valeurs vont sauver la vôtre. C'est important que vous soyez en lien avec votre système de valeurs. Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous dans votre vie ? Et qu'à chaque acte que vous avez, que ce soit un acte commercial, ou que ce soit un acte humain, que ce soit une conversation avec un client, ou que ce soit une conversation avec n'importe quelle autre personne, ça doit être le reflet de votre alignement personnel. Vous devez développer de la cohérence personnelle. Ça vous parle ce que je suis en train de dire ? Soyez alignés. Combien de personnes vous n'avez pas envie de les suivre parce que vous ne les sentez pas alignés ? Vrai ou pas ? Ce qu'elles vont vous dire est intéressant.
ce qu'elles vont vous montrer est intéressant, et pourtant il y a un truc dit. Je le sens pas. J'y vais pas. Je le sens pas. Je le sens pas. Tu le sens pas parce qu'il n'est pas aligné. On vous sentira pas parce que vous n'êtes pas aligné. Mais par contre, on vous suivra parce que vous l'êtes. Quelqu'un qui est aligné, il donne envie. Et vous savez, quelqu'un qui donne envie, il est attractif. Vous voulez élever votre niveau d'attractivité ? Faites-le. Alignez-vous. Ayez des valeurs et incarnez-les en permanence. En permanence. Je ne sais pas combien de milliers de produits j'ai vendus en dehors de la formation de coach. Franchement, j'en sais rien. Mais beaucoup. Beaucoup de milliers en tout cas. J'ai dû avoir, je ne sais pas, une dizaine de demandes de remboursement. Ben, malgré tout, peu importe la demande, j'ai toujours remboursé les personnes. Peu importe l'objet. Peu importe même que la personne elle essaye de me rouler. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Il y en a. Je m'en fous, je rembourse. Vous savez pourquoi ? Parce que pour moi, c'est important. Voilà. Et que je ne veux pas qu'une seule personne puisse dire bah, « Tu sais, un jour, j'ai un produit, je n'étais pas content, puis finalement, il ne m'a pas remboursé. » Jamais. Vous ne trouverez aucun client comme ça. Tout comme vous ne trouverez aucun concurrent qui vous dira que j'ai dit du mal de lui. Jamais. Même si je le pense. Jamais. Ok ? Soyez alignés avec vos valeurs. C'est extrêmement important. Je me suis retrouvé devant le tribunal à cause de ça. Ok ? Il y a de ça de nombreuses années, je faisais la publicité dans le magazine Psychologie Magazine. Okay ? Et à l'époque, je leur disais que mon expertise venait du fait que j'avais accompagné des sportifs de haut niveau, voire de très haut niveau, des hommes politiques et des grandes sociétés. Et avec qui j'avais travaillé avec des grands groupes. Ok. Mes concurrents, les petits malins, ont saisi la DGCCRF pour dire, vous savez, il dit des trucs comme ça, c'est quand même assez punchy. Donc les gars de la DGCCRF sont venus me voir en me disant, monsieur, bah, vous avez dit que vous aviez travaillé avec des sportifs de très haut niveau, il faut que vous nous prouviez, donnez-nous votre fichier client. Mais monsieur, je ne peux pas vous donner votre fichier client, je suis coach. Regardez mon contrat, j'ai un devoir de réserve. À partir du moment où je peux donner à n'importe qui, excusez-moi, et vous êtes n'importe qui, mon fichier client, eh bien, on n'est pas n'importe qui, on est la police, mais moi je ne vous connais pas, moi, je ne sais pas. Et peu importe, moi j'ai donné mon engagement que jamais je donnerai mon nom, le nom de mes clients. Donc vous pouvez faire tout ce que vous voulez, hein. Mon fichier client, vous ne l'aurez jamais. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ça a duré des mois de procédures, de trucs, je me suis retrouvé devant le tribunal. Bon, j'avais un article dans l'équipe où David Douillet disait qu'on avait fait un travail remarquable ensemble avec l'équipe de France. Bon, on avait ça. J'avais un autre article dans un journal politique dans lequel deux députés expliquaient que j'avais travaillé avec eux, que j'avais bossé avec eux. Et puis enfin, il y avait un journal genre, c'était Capital, qui m'avait cité parce que j'ai travaillé avec 16 entreprises du CAC 40. Okay. Donc moi, j'ai pris ces journaux-là et je les ai présentés à la juge. J'ai dit, madame, voilà. Sauf si vous considérez que David Douillet n'est pas un sportif de haut niveau, alors que c'est le judoka le plus titré de tous les temps. Si ce n'est pas pour vous un sportif de haut niveau, ok. J'ai pas trop de trucs. Est-ce que des députés, c'est des hommes politiques pour vous, ou c'est simplement des sous-fifres ? Okay. Est-ce que, par exemple, Microsoft, IBM, c'est des grandes boîtes ou... okay. Voilà exclusivement ce que je peux vous donner. Maintenant, mettez-moi en prison, je ne vous donnerai jamais mon fichier client. Parce que j'ai quelque chose qui s'appelle le devoir de réserve. Et si vous ne comprenez pas ça, eh ben c'est toute la structure qui s'effondre. Voilà. J'ai un devoir de réserve, de confidentialité. Si mes clients savent qu'un jour je peux donner mon fichier client, sachez une chose, je suis mort. Parce qu'ils n'auront plus jamais confiance en moi. Et ils auront raison d'ailleurs. Bon, je suis tombé sur une juge très ouverte, hyper sympathique, qui m'a dit, non, évidemment, on considère bien que David Douillet, c'est quand même un grand sportif, que ses entreprises font partie quand même des entreprises parmi les plus grandes, et que député, c'est quand même un homme politique. Mais comprenez que je serais prêt à aller en prison pour ça, vous voyez ce que je veux dire ou pas. Vous devez être très au clair avec la logique de conviction, et c'est ça aussi la cohérence. La cohérence, c'est vraiment d'être en lien avec ses valeurs, c'est de faire vivre ses convictions au quotidien. Maintenant, est-ce que vous pouvez imaginer ce qui se passe dans la tête d'un client quand il sait que moi, j'étais prêt à aller en prison pour ne jamais donner son nom ? Vous pouvez être sûr d'une chose, c'est qu'après, il vous dit tout. Même ce que vous ne voulez pas entendre, il vous le dit. C'est un truc magique, ok ? Donc c'est juste important de savoir que cette cohérence, elle va vous permettre d'avancer à la vitesse grand V.
Autre chose que vous pouvez développer, c'est de l'honnêteté. D'abord, de l'honnêteté vis-à-vis de vous-même. Soyez honnête avec vous-même. Ok ? Soyez honnête avec vous-même. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire regardez-vous et dites-vous les choses sans détour. Ok ? Parfois, on a notre ego va nous faire interpréter les choses différemment. D'ailleurs, c'est intéressant parce que l'univers de la neuropsychologie nous apprend des choses fabuleuses. Quand vous travaillez en neuropsychologie, vous allez travailler sur la coordination de l'intégralité du système nerveux et du système cognitif pour harmoniser plusieurs choses. Harmoniser plusieurs choses. Quoi ? Eh bien, d'abord, la perception. Ensuite, l'attention. Ensuite, on va harmoniser tout ce qui va être la logique de mémorisation. Après, tout ce qui va être le langage. Après, on va valider aussi tout ce qui va être la prise de décision. Et enfin, la résolution de problèmes. Venez, on prend les choses depuis le début. Le monde dépendra toujours de la perception que vous en avez. Et la perception, elle vous appartient. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Je veux que vous entendiez ça, s'il vous plaît, et juste que vous réfléchissiez juste un instant là-dessus. Le monde, il est lié à la perception que vous en avez, que vous en avez. Pas celle qu'on vous a vendue, pas celle qu'on vous a proposée, celle que vous avez décidé d'avoir. Quand on me parle du libre-arbitre, tu sais quoi, le libre-arbitre, le seul qu'on est vraiment, c'est cette puissance qu'on a de changer notre perception des choses. Il y en a d'autres qui vont recevoir la maladie comme la fin de tout. Et d'autres qui vont la recevoir comme une bénédiction. Ok ? Vous savez ce qu'il y a entre deux ? Le choix d'une perception différente. Vrai ou pas ? Maintenant, cette perception, elle va enrichir tout un mindset différent. Cette perception, c'est-à-dire le choix que vous prenez de la façon dont vous allez regarder les choses, que ce soit votre business, que ce soit votre problème, que ce soit votre physique, que ce soit votre énergétique, que ce soit vos émotions, que ce soit la façon dont vous pensez, que ce soit l'organisation, le pays, la dimension sociale dans laquelle vous êtes, tout dépend de votre fucking perception et celle que vous allez créer. Votre pouvoir, il est de choisir cette perception. Si tu choisis de percevoir ce qui t'arrive comme une menace, tu vas fabriquer adrénaline et cortisol. Si tu choisis de percevoir ce qui t'arrive, cette situation stressante, comme un défi, tu vas fabriquer endomorphine et DHEA. Vous comprenez que je vais embarquer toute une neurologie à travers le simple fait de faire un choix. C'est quand même fabuleux cette histoire, non ou pas ? C'est ça le pouvoir de la perception. Percevoir, percer et vous verrez. C'est cette capacité que vous avez d'aller chercher, merci. D'aller chercher et de vous dire, et si il y avait un autre regard à porter là-dessus ? Regardez, toutes les personnes autour de vous sont en train de parler de l'intelligence artificielle et vous disent, c'est la fin, les métiers vont disparaître. En Russie, il y a 16 000 personnes qui chaque semaine se disent « Da, prichmenich, faisons, on va en faire quelque chose pour niquer le monde. » Ils sont en train de niquer le monde. Tu peux dire tout ce que tu veux. Non, parce que même si un jour, il y a Emmanuel Macron qui a dit « Tu sais quoi ?»« Bruno, viens, tu vas aller voir le directeur du Voli. Tu vas dire « Voilà les Russes, on va vous mettre des restrictions. Et on va vous mettre par terre en 3 mois. » Le pauvre Bruno Le Maire. Oh, le messager. À chaque fois qu'il y a une merde à balancer, c'est lui qu'on appelle. Le pauvre. Ah, il va être en plein burn-out, le mec, pas possible. Mais comprenez que la perception du monde, là, à l'étranger, les Américains travaillent sur l'intelligence artificielle. Les Anglais, juste à côté, intelligence artificielle. Il n'y en a pas un qui n'essaie pas de l'intégrer à son business. Et nous, on est en train de se dire, est-ce que ce serait pas un petit peu dangereux ? Est-ce que c'est un petit peu pas éthique ? Non, ce qui est pathétique, c'est que toi, tu restes là, toi, dans tes baskets, et qu'il y a un truc qui est en train de se passer, il faut que tu le chopes. Chope-le. C'est une machine que vous ne pourrez pas arrêter. C'est une machine que nous ne pourrons pas arrêter. Donc c'est une machine que vous devez comprendre et que vous devez utiliser. À défaut, sinon vous allez perdre.
Il est en train de se passer des choses en termes d'enjeux aujourd'hui. Vous devez faire partie de ceux qui gagnent. Et pour ça, il faut percevoir les choses plutôt que de percevoir cet outil-là ou l'ensemble de ces outils comme un danger potentiel, ce qu'il est. Et si on choisissait de l'utiliser comme quelque chose permettant d'apporter un meilleur service à nos clients ? Peut-être parfois de libérer un peu de temps dans mon business pour que je puisse passer plus de temps pour moi. Parce que je vais pouvoir automatiser un tas de tâches que je ne pouvais pas faire avant. Une fois encore, tout est une question de perception. Mais vous savez, cette perception, c'est la perception qui va engager ton attention. C'est parce que tu as cette perception-là que tu vas être attentif à des choses particulières. Ok ? Si dans ta perception, tu as le sentiment que l'intelligence artificielle est quelque chose d'extrêmement dangereux, dans ton attention, tu vas avoir toutes les preuves qui te prouvent que c'est dangereux. Chaque fois qu'il y aura une information qui correspond, grâce à ton système réticulé activateur, qui va choisir une crainte par rapport à ça, tu vas voir dans ton environnement, tu as vu, je t'avais bien dit, hein, je t'avais bien dit que l'intelligence artificielle, ça ferait du bordel. Hein. Eh ben regarde, là ils ont licencié là-bas. Ok ? Mais t'as pas dit, par exemple, que ce petit entrepreneur qui était tout seul, avant, il n'arrivait pas à tout faire, et bien aujourd'hui, en maximisant ses tâches, tout seul, il a réussi en moins d'une semaine à mettre en place une chaîne YouTube qui fonctionne. Et de façon presque automatique. Pareil pour son Instagram. C'est-à-dire que si vous penchez un petit peu tous là que vous êtes ici, là, si vous voulez optimiser vos réseaux sociaux, vous ne pouvez pas faire l'impasse de comprendre comment fonctionne l'intelligence artificielle. Et moi, là, quand j'ai travaillé avec mes petits diables et que je les voyais m'expliquer les trucs, je me disais, non, mais je veux comprendre, explique-moi. Non, parce qu'on va faire ça, je veux comprendre, explique-moi. Quand j'ai vu tout ce qu'on pouvait faire, je dis, les gars, on ne peut pas garder ça pour nous. Il faut que tout le monde le sache. Parce que moi, j'ai une cinquantaine d'années, je pourrais avoir beaucoup de mal avec ça, mais je m'aperçois que je suis obligé, si je veux avoir une vision de mon business dans le futur, de coller avec ce système. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc comprenez que la perception qui est la vôtre, elle va favoriser toute votre attention. Tout ce sur quoi vous allez porter votre attention dépend de votre schéma de perception, du choix que vous avez de regarder les choses. Vrai ou pas? Ok. Maintenant, cette attention, elle va avoir un impact sur quoi? Sur ce que je vais mémoriser. Puisque l'ensemble de votre mémoire est lié à votre schéma émotionnel, parce que vous avez cette perception, parce que vous portez votre attention là-dessus, vous allez porter des choses qui... Vous allez retenir tout ce qui correspond à votre schéma de perception. C'est-à-dire que tout ce que vous allez voir et qui parle en mal de l'intelligence artificielle, vous allez vous en rappeler. Et à chaque fois, quelqu'un vous dira « Attends, si, regarde, c'est vachement intéressant. » Oui, c'est intéressant, mais je te rappelle que moi, la semaine dernière, j'ai vu un documentaire. Et bien, pire que toi, que c'était pas olé olé. Hein. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui se sont fait virer. Hein. Ok. Mais il y a des gens qui sont virés, puis il y a des gens qui font des fortunes. Ok. Mais croyez-moi, l'un et l'autre n'ont pas du tout le même schéma de perception. Et une fois encore, je ne veux pas ouvrir un débat sur c'est juste, c'est éthique, c'est bien. Ce qui est, est. Vous ne pouvez pas l'arrêter. Il y a une machine qui est en marche. Et même si Elon Musk commence à comprendre qu'il a fabriqué un monstre et qu'il se dit ce serait peut-être bien qu'on prenne un petit peu les rênes en main et qu'on ralentisse le truc. Eh gars, fallait le dire avant de créer ton système. C'est trop tard. La machine, elle est en marche. On ne pourra plus l'arrêter. Et chaque semaine, il se crée des nouvelles intelligences artificielles. J'ai bossé avec une entreprise à Tel Aviv qui est le département de développement commercial d'un groupe qui vend dans le monde entier. Hein. Donc tout passait de Tel Aviv, les mecs prenaient des rendez-vous pour les commerciaux dans tout le monde. Donc il y avait un département français, un département francophone, pardon, un département chinois, un département américain, et les mecs, ils passent leur journée à passer des rendez-vous téléphoniques. Ils ont fait venir une intelligence artificielle à l'intérieur. L'intelligence artificielle écoutait, écoutez-moi bien, elle écoutait les conversations, elle écoutait les réponses du client et l'intelligence artificielle lui disait « Ah, il a hésité sur tel mot, tu devrais lui parler de ça. » Moralité, 17% de prise de rendez-vous en moins de 2 semaines, en plus. Vous ne pourrez pas arrêter l'intelligence artificielle. Vous ne pourrez pas l'arrêter. Vous devez composer avec, vous devez apprendre ce que c'est et vous devez regarder comment faire partie de ceux qui vont l'utiliser. Je vous le dis, sinon vous serez à la ramasse. Il y a quelque chose qui est en train de se produire. Il y a un changement interplanétaire notoire. Si vous ne chopez pas le truc à bras-le-corps, vous allez avoir des problèmes. D'accord ? Donc, formez-vous. 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 Et je vous donnerai un truc hyper accessible là-dessus si vous le souhaitez.
Ma perception va générer mes attentions vont générer ma mémorisation, et grâce à tout ça, là, je vais pouvoir prendre des décisions. Maintenant, comprenez une chose. Dans la vie, il y a deux possibilités. Je ne tiens pas de moi, je tiens de mon épouse. Puis elle me l'a dit tout à l'heure, elle m'a dit, je te préviens, si tu ne me cites pas, je te frappe. Bon. Je te cite. Dans la vie, où vous êtes en réaction, où vous êtes en décision. Il n'y a pas de mystère. Où vous êtes en réaction par rapport à ce qui arrive, où vous prenez des décisions, parfois de dire, tiens, je prends un peu de recul, je vais observer, quelle est la décision la plus intelligente par rapport à ce qui est en train d'arriver. Où vous serez en réaction, où vous serez en décision. Mais comprenez que ces décisions, elles dépendent de vos mémoires, de votre attention permanente, et surtout, de la façon dont vous percevez les choses de ce monde. C'est OK pour vous ? Et vous allez voir que cette perception qui va influencer votre attention, qui va influencer votre mémorisation, qui va impacter vos prises de décision, elle va impacter aussi très grandement vos résolutions de problèmes. Les problèmes que vous avez, vous serez capable de les gérer grâce à tout ça. Parce que vous avez une approche intelligente de cette ligne de conduite-là. C'est la perception que vous avez des choses qui va vous permettre de prendre les bonnes décisions. C'est une bonne perception des choses qui va vous permettre de savoir résoudre les problèmes comme il les faut. Maintenant, laissez-moi vous faire une promesse, une vraie promesse. Si vous êtes au clair avec vos convictions, si vous êtes capable de tout optimiser, votre business, votre physique, votre mental, votre énergétique, si vous êtes capable de vous adapter, si vous mettez de plus en plus de cohérence dans ce que vous êtes et que vous êtes honnête à travers tout ça, C-O-A-C-H, vous deviendrez un coach de votre application. Vous deviendrez un coach de ce que vous êtes, vrai ou pas. Et si vous prenez le temps juste d'entrer en conscience et de comprendre que chaque moment de votre vie, vous avez un choix à faire de perception des choses. Et que cette perception, elle va tout conditionner. Ok ? Cette perception de l'information, tout ce que nous avons là ici autour de nous, ce n'est que de l'information. Qu'est-ce que je vais en faire ? Comprenez une chose, le corps, il est composé d'organes, les organes de cellules, les cellules de molécules, les molécules d'atomes et les atomes de particules subatomiques. Dans les particules subatomiques, on vous dit c'est ou de l'énergie ou de l'information, ou de l'énergie ou de l'information, ou de l'énergie ou de l'information. Qu'est-ce que vous allez faire de cette information ? Ça, là, ça vous appartient. Vous avez le plus grand pouvoir entre vos mains, c'est celui d'avoir ce libre arbitre de dire « Et si je choisissais de percevoir ma vie et ce qui arrive à l'intérieur d'un regard qui m'appartient à moi et qui m'intéresse ?» C'est votre plus grand pouvoir. Maintenant, mes amis, rappelez-vous d'une chose, c'est que si ce pouvoir, vous ne le vivez pas, si vous ne l'incarnez pas, quelqu'un d'autre va s'en occuper. Et quelqu'un d'autre prendra le pouvoir. Ne sous-traitez jamais le pouvoir. Rentrez dans votre pouvoir personnel. Faites les choix qui vous appartiennent. Affichez vos convictions. Soyez toujours dans une logique d'optimisation. Adaptez-vous à ce monde qui bouge. Restez toujours en cohérence et aligné par rapport à qui vous êtes et vos valeurs. Et faites les choses avec le plus d'honnêteté possible. Et je vous garantis une réussite comme jamais. Merci beaucoup.